fait, mon travail de recherche s'inscrit à l'interface de l'analyse du discours, de la sémantique, et puis plus récemment de ce qu'on appelle les humanités numériques, c'est-à-dire le recours à des outils ou des méthodes qui utilisent des logiciels pour travailler sur des corpus, en particulier des corpus textuels. Mes thématiques de recherche sont initialement plutôt l'analyse du discours médiatique et politique. Et plus récemment, pour des besoins de projets de recherche que j'ai développés à CY, sur des corpus en lien avec la sécurité, notamment avec des projets avec le PJGN, donc le pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale, et puis autour aussi de la thématique du sport, pour voir comment la linguistique peut contribuer à analyser la motivation sportive et aussi la question des valeurs, leur transmission et leur diffusion depuis des instances type olympique jusqu'à la pratique des amateurs sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai eu envie de devenir linguiste essentiellement en écoutant des émissions politiques et notamment des soirées électorales en fait, où j'étais assez frustré de voir dans la manière dont les journalistes finalement commentaient les discours, non pas l'information politique elle-même, mais plutôt la rhétorique en fait et l'argumentation. Et en particulier l'élection dans laquelle donc Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour face à Jacques Chirac, qui a été assez marquante. J'étais en licence à l'époque de Lettres modernes et je ne comprenais pas en fait pourquoi les journalistes n'allaient pas plus loin dans le décryptage de la rhétorique, de l'argumentation, notamment autour des amalgames ou un certain nombre de processus comme ça qui étaient très forts en termes de conviction, mais qui étaient très peu décryptés en fait de la part des journalistes. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment la nécessité finalement de faire quelque chose autour de ça. Et j'ai découvert qu'ensuite il y avait un champ de recherche qui était l'analyse du discours, qui s'intéressait beaucoup et depuis longtemps à ces questions-là. Et donc j'ai décidé de faire de la recherche, donc en maîtrise à l'époque, DEA, puis en thèse, sur cette thématique quand même, en l'élargissant ensuite au discours de presse, c'est-à-dire comment est-ce que les discours sont repris aussi par la presse, comment la presse modèle la perception qu'on peut avoir de la réalité sociale, et essayer de voir un peu quels sont tous les niveaux d'explication langagiers de cette réalité sociale, que ce soit le choix des mots, les associations de mots, les co-occurrences, les champs lexicaux, les thématiques, etc. Et développer justement des méthodologies rigoureuses qui permettent de rendre compte de tous ces processus. On dissocie parfois l'enseignement et la recherche. D'ailleurs, on est des enseignants-chercheurs, donc on a cette double fonction finalement. En fait, moi j'ai toujours essayé que les deux se rejoignent quelque part. Alors, c'est aussi lié au contexte de l'IUT que enfin, moi j'apprécie beaucoup et c'est vraiment un choix d'être et de rester dans ce type de composante parce qu'on a beaucoup de pratiques en fait avec les étudiants. On a beaucoup de projets aussi, de modes projet, et je me suis intéressé notamment à la communication numérique, aux réseaux sociaux, par le fait de faire des cours avec eux et de former mes étudiants à la pratique numérique et de voir sans cesse s'adapter finalement aux nouvelles pratiques de communication et la relation texte-image maintenant avec Instagram, l'intégration de vidéos, etc. Et donc finalement, il y a une très grande porosité de mon point de vue entre recherche et enseignement. Et de manière réciproque, même si c'est pour des formations de premier cycle, ce que je vais faire en recherche va aussi irriguer un certain nombre de choses dans mes cours et voilà, travailler sur la fonction du hashtag, la fonction de l'invention, etc. Ça va permettre aussi de donner aux étudiants des compétences plus précises, plus fines sur certains aspects technologiques de Twitter, de Facebook, etc. Donc vraiment, à mon avis, c'est très important justement de garder le lien entre les deux. Ça permet d'avoir aussi une cohérence quelque part dans son métier et de pas être toujours en permanente dissociation entre les cours et la recherche. Stabilisation, donc sur la question des objets discursifs, en fait déjà c'était un peu on va dire le concept d'analyse que j'avais dans ma thèse, et donc l'objectif de cette habilitation, c'était de le théoriser davantage et surtout de développer
une théorie, pas au sens pontifiant ou de vouloir faire école, mais plutôt d'avoir quelque chose de global dans lequel on a une méthode, des processus, des concepts qui vont fonctionner pour décrire tout type de corpus. Et dans cette notion d'objet, finalement, on prend en compte le fait que les objets du discours, les mots qu'on utilise, sont des constructions dans lesquelles on investit un point de vue en particulier, que notre représentation du réel, finalement, s'incarne directement dans ce choix des observables, et que on le voit dans plein de polémiques, par exemple, de choisir le mot migrant ou réfugié, par exemple, pour désigner un même référent, va avoir un impact, finalement, sur la manière dont cet objet discursif, c'est-à-dire cette construction discursive d'un référent, va opérer. Et avec ensuite un certain nombre de prérogatives qui ne sont pas que linguistiques, mais qui sont aussi juridiques, relationnelles, institutionnelles, etc. C'est-à-dire le fait de nommer un référent d'une certaine manière va le créditer aussi d'une certaine valeur linguistique, symbolique, sémantique, etc. Donc il y a vraiment cette idée de décrire finalement les processus, notamment de ce concept qu'on appelle la nomination, c'est-à-dire le fait de nommer quelque chose d'une certaine manière. C'est pas simplement voilà, une désignation ou une dénomination, mais c'est vraiment un processus dans lequel on intègre un grand nombre de paramètres, dont la question du point de vue, de la subjectivité, etc. Et donc l'objectif de cette théorie des objets discursifs, c'est de décrire des méthodes, en particulier avec les humanités numériques, donc avec un outillage, pour pouvoir saisir la variabilité du sens d'une unité, par exemple, à travers des graphes de co-occurrence, donc quels sont les différents mots associés, à travers des relations thématiques, par exemple, tiens, le mot femme ou le mot chômage, parce qu'on a travaillé dessus pour les précédentes campagnes, il est utilisé dans telle thématique chez tel candidat, mais dans une autre thématique chez tel autre candidat. Tiens, c'est curieux, donc on a le même mot, on a la même fréquence du mot femme, par exemple, mais d'un côté, il va être lié à la politique intérieure parce que c'est la féminisation des institutions, etc. Et dans l'autre, il va être associé à la menace extérieure parce que ça va être le burkini, la représentation de la femme dans certaines cultures, etc. Voilà, donc on a des mots, mais ces mots ne sont pas que des mots. Donc ça devient ce qu'on appelle des objets discursifs, c'est-à-dire des constructions discursives de référents qui ensuite influencent notre perception du réel. Idéo 2017, en fait, il vient d'une réflexion qui a été menée depuis 2013 à peu près. Donc, voilà, j'avais commencé à faire des cours sur les tweets à l'IUT. Donc, j'ai travaillé, comme avant, je travaillais aussi sur les discours politiques. Et je me suis dit, ça serait intéressant de combiner les deux, c'est-à-dire discours politique numérique. Et donc, j'ai commencé à travailler sur les tweets politiques en contexte électoral, donc sur les municipales 2014. Et j'étais assez frustré en fait de voir que les résultats de la recherche, bon, c'est toujours le cas, mais dans ce type de contexte, c'est encore plus flagrant, viennent après l'élection quelque part. Et donc, on décrit ce qui s'est passé, mais on n'a pas d'influence sur le choix des électeurs. Enfin, influence, pas au sens de vouloir les influencer sur tel ou tel vote, mais plutôt de leur faire comprendre un certain nombre de fonctionnements argumentatifs, rhétoriques. Voilà, les projets étaient sur les questions d'idéologie, par exemple, et tout ce qu'on avait décrit dans les travaux, me semblait être intéressant pour être porté à la connaissance du public. Et donc je me suis dit que ça serait vraiment bien de pouvoir rendre ça faire ça en temps réel et d'offrir finalement aux citoyens une plateforme qui permette de tester avec les outils qu'on utilise la variation des différents mots chez les différents candidats ou alors comparer les corpus de tel ou tel candidat et le rendre compte avec des aspects plutôt graphiques et visuels plutôt que, encore une fois, que des extractions de séquences ou autres. Et donc j'ai déposé un projet à la fondation, à l'époque Fondation de l'Université de Cergy, donc maintenant CY Fondation, qui a été donc accepté, qui a permis de recruter un stagiaire de master. Et donc on a travaillé avec une petite équipe, donc Nader, notre stagiaire, deux ou trois collègues qui sont cités dans les différentes publications qu'on a fait sur ce projet. Et donc on a réussi, avant l'élection, à mettre en place cette plateforme qui était chaque jour réactualisée avec les nouveaux tweets des candidats, ce qui fait que les utilisateurs pouvaient aller regarder et voir voilà, le mot insécurité, le mot république, etc., qui l'utilise le plus, comment, le corpus de Macron, le corpus de Marine Le Pen, et comme ça comparer. Et puis aussi, on avait un moteur de recherche intuitif qui permettait de se balader dans la base de données, on va dire, qui est voilà, très, très fastidieuse si on l'a sous forme de base de données ou de tableur Excel ou autre, mais là, avec des petites vignettes qui permettaient de voir les tweets apparaître et puis de retourner dans l'interface Twitter ensuite pour retrouver les messages dans leur contexte.
enfin, je suis très passionné par la linguistique en fait, et je pense que chacun dans sa discipline peut avoir ce genre de choses. En fait, quand on me demande après dans quel domaine je travaille, finalement, maintenant je me dis que je fais plus de la linguistique appliquée, c'est-à-dire que j'essaye d'appliquer à différents contextes. On a parlé du sport, on a fait un colloque la semaine dernière sur la gastronomie, c'est pareil. En fait, il y a plein d'apports, et je pense que quand on est passionné par sa science, en fait, on peut essayer de collaborer le plus largement possible, parce que ce regard scientifique ajoute des choses supplémentaires à ceux qui en sont déjà les spécialistes. Voilà, donc je ne suis pas spécialiste de l'histoire ou de la géographie de l'alimentation, mais par contre, analyser les discours de l'alimentation ou sur la gastronomie, ça apporte des choses à ces chercheurs-là. Et réciproquement, bien sûr, eux apportent des choses à ce qu'on va dire. Mon mot de la fin, il est assez perso sur ma discipline, parce que voilà, je trouve que si je l'ai choisie, c'est qu'elle me passionne et que je pense qu'elle est adéquate pour répondre à plein de choses. Et ce que je souhaite en tout cas, c'est que tous les chercheurs ou les enseignants-chercheurs soient passionnés par leur discipline et puissent justement être dans une posture d'ouverture et d'aller vers les autres chercheurs, et pas seulement de repli sur sa discipline, mais plutôt de voir comment elle peut interagir et raisonner avec les autres.